mes 3 conseils pour grossir des fesses. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous aider à avoir les fesses à Cardi B en vous donnant mes petits conseils. Mes 3 conseils pour grossir des fesses. Donc mon premier conseil, c'est de manger un peu plus, mais de manière répartie durant la journée. Ça veut dire que vous mangez un repas à 8h, vous mangez un repas à 10h, vous mangez un repas à midi, vous mangez un repas à 4h, vous mangez un repas au soir, vous mangez un repas avant de vous coucher. Généralement, des petites quantités. Vous commencez avec une petite quantité, très petite. Comme ça, vous arrivez à manger toute la journée au moins 4 à 5 fois. Et puis un moment, donc comme ceci pendant une semaine. Et puis ensuite, vous changez. On passe à la semaine 2. Et là, à la semaine 2, vous allez commencer à manger toujours des petites quantités reparties sur la journée. Mais cette fois-ci, vous allez augmenter la quantité de ce que vous mangez. Ou bien augmenter la fréquence. Donc la quantité, ça veut dire manger un peu plus durant la journée sur, disons, vous mangez 5 fois et là, vous mangez un peu plus. Ou bien, ce que vous allez faire, c'est augmenter la fréquence. Donc ça veut dire, au lieu de manger 5, vous allez manger 6 fois, voire 7 fois par jour. Ensuite, mon deuxième conseil, ça sera de faire du sport. Bien sûr, moi j'en fais et c'est comme ça que j'ai obtenu ces résultats-là. Parce qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. Hein. Les gens qui me connaissent savent très bien que je n'ai pas toujours été comme ceci. Donc faites du sport, faites des exercices fessiers. Concentrez-vous vraiment sur les bons exercices à faire. Ça ne sert à rien, par exemple, on va dire pour une débutante, d'aller faire des squats et d'en faire 20 000. Alors que voilà, elle va peut-être jamais prendre des fesses parce que ses fessiers sont pas activés ou ses fessiers ne sont pas habitués à ça. Et voilà, faites les bons exercices selon votre niveau pour avoir les résultats nécessaires. Si vous vous demandez quels exercices je dois faire, allez voir mes vidéos, allez voir mes vidéos. Je vous ai fait des vidéos avec les exercices vraiment essentiels que vous devez faire si vous voulez avoir un beau fessier. Ensuite, mon troisième petit conseil, c'est de ne pas vous peser tout le temps. Quand vous pesez tout le temps, vous êtes stressé, vous ne voyez pas les résultats, puis vous allez peut-être abandonner, vous allez vous dire, oh, mais ça ne voit pas, ça, je n'avance pas. Prenez votre temps, pesez-vous peut-être une fois après chaque semaine ou généralement après 3 semaines. Comme ça, au moins, vous êtes bien. Et vous n'êtes pas stressé. Et aussi, regardez plutôt les résultats sur votre corps. Prenez vos mensurations, tour de hanche, tour de taille, en dessous du nombril, etc. Pour être sûr et certain que vraiment vous voyez un changement. Parce que des fois, vous pouvez être obnubilé par votre poids, que vous ne voyez pas justement les vrais changements qui ont lieu, que les gens peuvent voir à l'œil nu. Donc voilà, ça sera tout pour ma vidéo aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo toute courte pour vous donner vraiment mes quelques conseils qui vont, j'espère, vous aider. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker, de partager et aussi abonnez-vous sur ma chaîne Instagram, sur ma page Instagram. Ici, merci, à la prochaine.